Salut, c'est Tom. Aujourd'hui, je nous amène dans la ville de Saint-Lambert parce que je voulais qu'on fasse une petite tournée. C'est comme un mini centre-ville. J'avoue que c'est pas la journée la plus chaude pour venir se promener à Saint-Lambert, mais venir ici avec des amis ou la famille, c'est vraiment idéal. C'est les bâtiments qui font en sorte que c'est vraiment cute la place. Nous voici au premier arrêt, le Café Webster. Un café idéal pour les végétariens et les végétaliens comme moi. Leur dessert, c'est tout des desserts végétaliens, comme ça tout le monde peut en manger. On ressort avec un doggy bag et là je vais aller le porter dans l'auto pour continuer la petite tournée. En tout cas, eux sont prêts pour Noël prochain, hein? Et notre deuxième stop de la journée, récolte 24. Ça fait vraiment sentir comme si on était sur une terrasse. Ça va faire en fait 2 ans qu'ils sont ouverts et c'est des mets mexicains qu'on peut retrouver ici. Et moi aujourd'hui j'ai pris un taco fait avec patates douces. Bon appétit! Les patates douces sont vraiment goûteuses. Et ça dans un taco, wow! Voici le café pistache, c'est bien chaleureux. On ira une autre fois découvrir le café pistache parce que j'ai assez mangé aujourd'hui. Ça vaut vraiment la peine de faire un petit arrêt ici à Saint-Lambert, guys. Vraiment comme un mini centre-ville.